Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir la partie exécute. Dans les vues, par exemple, vous allez voir ici dans le menu, j'ai une partie exécute. Je vais pouvoir enregistrer des scènes, des couleurs, comme ça m'arrange. Je peux choisir sa taille ici, soit 10 par 10, 6 par 4, ou ainsi de suite, je vais rester sur 10 par 10. Je vais apply. Je vais retourner à page 1, je sélectionne mes projecteurs, je leur mets une intensité, une position, je retourne dans mes exécutes, record ici, je peux le renommer, position, je clear mon programmeur, je relance directement. Je peux lui mettre un temps de fade. Action, fade time, ici, par exemple, 2 secondes, ici, pour ce qui est autre que l'intensité, et le temps de release, 3 secondes. Quand je clique, voilà, là, ça s'éteint, quand je rallume, il met 2 secondes pour aller à l'intensité. Et quand je retire, il met 3 secondes pour se retirer. J'ai la possibilité aussi, par exemple, ici dans les multifonctions, de le réintégrer dans ce grid. Par exemple, dans un premier temps, je vais faire... J'ai ce fader là que je vais récupérer, je vais faire rename ici, lat bleu. Ici dans mes actions, je move ça ici. Je récupère mon latéral bleu ici. Ensuite, ici, je vais pouvoir enregistrer des couleurs, par exemple, aussi directement. Désactiver, réactiver. Dans cette vue, exécute. Je peux enregistrer tout ce que je souhaite ici. Je peux enregistrer aussi des effets dans cette partie. Si je reviens dans la partie 1, je reprends mes spots. Un effet de position, par exemple, exécute, record, ici, je rename, titre, fx, je vide mon programmeur, et directement, je l'ai là, je peux cumuler plusieurs choses en même temps, dans mon effet. Et par exemple, ça, je peux toujours faire un snapshot de mon état aussi. Show, record, all, ici. Je désactive mes mémoires. Et ici, j'ai ma mémoire avec tout ce que j'ai sélectionné, qui est enregistré et que je peux restituer. Voici pour la vue Execute. À bientôt.